moi, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va vraiment super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Épisode je crois c'est 19 de Far Cry 4, je suis pas sûr du tout. Donc voilà. Donc on est là, donc dans le dernier épisode on devait aller voir sauver un gars qui s'appelle Willis. Et donc au final on a eu un dossier sur notre terre. Et voilà, donc c'est que ça que je me souviens de ce qui s'est passé. Donc là on va devoir aller voir Willis une nouvelle fois. Donc je suis équipé de lance-flamme, alors le Z93 que j'ai acheté et que j'ai amélioré parce que j'ai fait une session off, le dard et la déchiqueteuse. Hein. 4 types d'armes différentes, donc un sniper, une arme de poing, une mitraillette et un lance-flamme. Je pense que c'est efficace. Donc on va aller voir Willis quoi. Alors, j'espère que vous allez bien. On doit aller à l'aéroport. J'aimerais bien qu'on puisse piloter l'avion. Parce qu'on peut piloter l'hélicoptère, mais on ne peut pas piloter l'avion. Donc, ouais, donc c'est plutôt embêtant, si je puis dire. Pas embêtant, ce serait stylé si on pouvait, le piloter. Et je sais même pas ce qu'il y a un truc comme ça pour le voler, à part la wingsuit. Bref. Donc, on va voir Willis. Qui est dans le... dans l'avion, quoi. Tout ça, ça sert à rien. T'as oublié que t'étais américain? On frappe avant d'entrer. Où est le journal original? Je te l'ai dit, plus tu bosseras pour moi, et plus je t'en dirai sur ce que t'as entre les mains. Allez. Monte, je vais te donner un avant-goût. Considère ça comme un à-compte. Très bien. Je vous écoute. Le jour où j'ai recruté ton père, c'était devant une bouteille de scotch dans un bouche sordide à Tirta. Il bossait encore pour Pagan Min à l'époque, les yeux tout humides et brillants. Quand Min a puté l'héritier du trône du Kirat, ça a chié des bulles, mon pote. Façon de parler, bien sûr. Quoi? Non, je vous entends plus du tout. Ne bille pas, ce sera dans le document que je te donnerai quand t'auras fini ce boulot. On retourne dans l'Himalaya. Alors, j'espère qu'on aura bientôt un accès pour le nord du Kirat, ça pourrait être pas mal. Parce que... Enfin, j'ai hâte d'avoir accès, quoi. Plein d'avant-postes et tout radio. La nuit où ta mère a fui le Kirat, c'était chaud dehors. D'après ce qu'on m'a dit, Yuma était mêlée à ça. Si tu veux les réponses, tu dois suivre sa piste. Qu'est-ce que vous savez sur elle? C'est le commandant second de Pagan Min. Elle est venue avec lui de Hong Kong. Elle a de la triade dans son yin-yang. Tu sais ce que c'est, le yin-yang? Bien sûr que tu sais. Mais... qu'est-ce qu'on fout ici? On va s'en prendre à un des sites de Yuma et à l'homme qui dirige. Descends-le. Et on pourra faire à Yuma tout ce qu'on veut. D'accord, donc en fait on va devoir buter un commandant. Alors, je vais juste baisser un truc, non pas les graphismes. Général, le son. Bon, on va laisser. Tuer ou être tué. Alors je pense que c'est l'infiltration. Ouais, c'est l'infiltration pure et dure. Ok. Donc. Avec le sniper, ça va être beaucoup plus simple. Le bouquetin, non. Je pensais qu'il allait m'attaquer. Ouf. Ok, donc... bientôt un cadavre de plus, connard. Hop. Alors. Dans les premiers épisodes, on m'avait demandé de l'infiltration. Le sniper silencieux. Et là, je vous en offre. Cadeau. Oh.
par les vols. Willis, je suis le lieutenant de Yuma. C'est sûr que t'as bien tué le bon. Comment je peux savoir si c'est le bon ou pas? Tu prends une photo de ton cadavre et tu me l'envoies. Oh, il crève. Passez, gamin, c'est pas le bon gars. Celui que tu cherches, il supervise les fouilles archéologiques de Yuma. Je vais te dire, t'as qu'à buter tous les mecs du coin qui ont l'air d'avoir des jobs plus importants que laveurs de chiottes ou nettoyeurs de vaisselle. Y'a rien de plus américain que de tous les tuer et de laisser Dieu reconnaître les siens. Et appelle-moi quand ce sera fait. Ok. Gros, c'est un Gonokill démol. Mais bon, je vais dire Pokémon. RS, tu crèves. Soigner. Et on va les tuer. Elle a l'air sympa son arme. J'ai juste pris pour la débloquer. Comme ça, dès que j'irai dans le prochain comptoir, je pourrai l'avoir gratuitement. Ce qui peut être plutôt pas mal. Alors donc en fait on doit juste buter des gens un par un. C'est très américain comme truc hein. Pourtant Ubisoft c'est français. Hop, on va ouvrir. Atteignez le monastère abandonné. Oh. Une tête d'un ennemi. Hop, avance. On charge. Hop. Ouf. Pas mal. Question infiltration. C'est pas mal. On monte. Style jumping. Sim timing plutôt. Je trouve c'est une bonne idée le grappin comme truc. Oh, pas mal. J'ai peur de ce qui m'attend là. Ah, ça va automatiquement derrière moi. Ce sniper est vraiment super bien. Et vraiment. Oh la collate. Je fais du collatéral. Tout est calculé, ça sent tout est vraiment calculé mais... Oh!
Putain, dans le film. Il va pas quoi. C'est quoi ce gars? Wow. Est-ce qu'on est sûr que c'est son lieutenant parce que... Et non mais... Les skins hitbox ils sont très mal faites, hein, sérieux. Je parle celle des rochers. Ça me touchait. Ok, c'est sérieux. Je suis à court de médailles, petit. Appelle-moi quand le commandant sera mort. Oh, c'est quoi ce sniper qui vient de nous tirer dessus? Je l'aime, moi. Il leur faut combien de balles pour mourir? C'est une scorpion, elle est peut-être un silencieux, mais sérieux. Un chargeur, c'est buté. Pas buté non plus. Là, c'est le premier qui aligne. Alors là les gens par contre c'est assez compliqué. Soit c'est je meurs, soit il meurt. Et voilà, je pense que c'est bon. Enfoiré ! Je vais t'envoyer 6 pieds sous terre ! Ok. Il y a un bug audio, les gens. Mais sale. On veut sa musique soit comme ça. Ils en ont après moi. Je vais devoir m'éclipser. Quoi? Ah, attendez, comment je fais moi pour sortir de là? Bon courage mon poussin, j'en reviendrai quand tu voudras décoller. Viens, il est ici. Non, pas comme ça. Ouais, exécution par le bord qui t'amène ici. Je vais prendre leur dos et eux. Viens la bonne. Oh, j'ai refilé le feu. Bien. Débrûlé, je vais refiler les flammes. Bien. Franchement, c'est très très drôle ça. Voilà, au mode mission mitraillette. Ah, tiens. Là, ça s'appelle la fuite. Encore? J'ai plus de mission, moi. Je bute un
sniper, mais... Attends, fais pas ça. C'est obvious, ça. Oh lui, ah, le multi, je crois que c'est pas mal. Peut-être me soigner. Hein. Ah, par contre, la plaie est dite. Oh. Mais quand il se soigne, il est tellement long, mais tellement. Compétence. J'ai 2 points de compétence. 4 points qu'il faut. Alors, c'est chaud, hein, sérieux. C'est vraiment chaud. Oh, mais il frappe deux. Parce que vous voulez, le mec, c'est toujours pas le bon. C'est dur. Hein. Ça. Un multifrag. Encore des roquettes. Moi j'ai pas de sniper, je peux acheter quelque chose. Donc... Hop. Voilà, et je pense que c'est bon. Récupérer des roquettes. Encore des roquettes, s'il vous plaît. Donc ça me suffit. J'étais assez boldy. Hein. Il y a un SVD ici, on va le prendre. Et d'où on repère. Oh, le headshot. Je sais pas.
passe crème. On va recharger pour éviter d'avoir une balle. Mais... faut que je vise obligatoirement la tête. Encore un là. Voilà. Comment je vais entrer à viser la tête? T'as une seconde. Tu l'as eu? Ouais, je l'ai eu. Bien. Je viendrai te chercher dès que j'aurai mangé mon petit déjeuner. J'imagine même pas la galère pour trouver du bacon dans le coin. Terminé. Bon. Et ben voilà. On retourne au Kirat avec une qui est encore finie. Je pense. Je me demande si Willis Huntley était dans Far Cry 3. Je crois que je vérifie ça plus tard. Merci d'avoir choisi Willis Airlines, mon poussin. Dès que je trouve quelque chose d'intéressant sur Yuma, je te recontacte. Voilà, on va cesser là. Donc, j'espère que vous avez bien aimé, likez, partagez, abonnez-vous. Et puis, allez, à tout le monde.